Bonjour. Les écureuils de Central Park sont tristes le lundi. Le succès des trois livres, Les yeux jaunes des crocodiles, La valse lente des tortues, Les écureuils de Central Park sont tristes le lundi, je pense que ce succès, il vient des personnages. Quand on construit bien ces personnages, c'est une recette que je donne à tous les gens qui veulent écrire, ils existent. Et non seulement ils existent, mais ils finissent par représenter tout le monde. Ils incarnent les peurs des gens, les désirs, les envies, et tout le monde peut s'identifier. Et je pense que c'est ce qui s'est passé avec ces trois livres, c'est qu'il y a une identification totale. Il y a plusieurs générations, il y a plusieurs milieux, il y a plusieurs manières d'être. Hortense, c'est absolument l'opposé de sa mère Joséphine, et tout le monde peut retrouver soi-même ou sa fille, son amant, son mari. C'est vraiment une espèce de radioscopie de la société d'aujourd'hui. Alors Junior, il est très représentatif de la manière dont je travaille. C'est-à-dire que j'étais sur une plage en Normandie et j'ai vu une petite fille qui devait avoir 9 mois et qui se tenait très très droite. Et je me suis mise à l'observer. Et au bout d'un moment, elle a regardé le soleil et elle m'a dit « soleil » en chinois. Puis en espagnol, puis en anglais. Et là, je me suis dit, je suis tombée sur un personnage. Et je suis allée parler avec ses parents et je suis aperçue que cette petite fille est une surdouée. Alors ça, c'est la base, la réalité, ce que m'apporte la vie. Et moi, je vais évidemment, à partir de ce personnage de petite fille, le transformer en personnage de fiction. Et c'est là où ça devient intéressant et on rentre dans le mystère de l'écriture, c'est-à-dire comment un personnage de réalité peut devenir pratiquement un héros de roman. D'abord, quand j'écris, je me fais des horaires très très précis, c'est-à-dire que je fais comme si j'allais à l'école. Je me mets le matin vers 11h30 midi et je travaille jusqu'à 6-7 heures le soir. J'ai énormément de dictionnaires, des dictionnaires de synonymes, des Larousse, Petit Robert, Grand Robert, le Thésaurus qui est un instrument formidable pour écrire. Et puis j'ai mes fameux petits cahiers noirs où j'ai un cahier par personnage et je remplis ce cahier de détails qui vont me servir ou pas pour le personnage. Quelquefois ça ne me sert pas, mais ça l'habille quand même, et quelquefois ça me sert. Et quand j'ai un doute sur d'où il vient, est-ce qu'il peut dire cela, comment il est, je me reporte toujours à son cahier. Non, ça c'est un truc piqué dans le métro entre deux filles. Je crois que mon transit va être génial aujourd'hui. Oh, et moi, je crois que je vais vomir mon jus de blé. Alors, Hortense, sexuellement déclenchant. Ça s'est ramassé dans les autobus avec les gamins qui parlent. Je crois que pour écrire, il faut être extrêmement curieux. Il faut être très... observateur. Je pense que c'est une des premières qualités. Il faut s'oublier soi-même et regarder les autres. Donc, je pense que tout vient de là. Alors, du coup, tout m'intéresse. C'est-à-dire que dans la valse lente des tortues, il y a eu le 12e siècle qui continuait. Dans les yeux jaunes des crocodiles, il y avait le 12e siècle. Dans les écureuils de Central Park, sont tristes le lundi, c'est Gary Grant qui est arrivé. Je fais des enquêtes, et alors je fais des enquêtes pour tous les personnages. C'est-à-dire que Marcel, je fais des enquêtes auprès d'industriels français qui sont installés en Chine. Pour Hortense, j'ai fait une énorme enquête sur les milieux du stylisme à Londres, à New York et à Paris. Donc ça, c'est aussi, ça vient de la curiosité que j'ai depuis que je suis toute petite, et je pense que ça vient aussi de mon métier de journaliste.
on m'envoyait dans un reportage, je ne connaissais rien du tout aux prisons américaines, aux prix Nobel de chimie, au football en Angleterre. Il fallait quand même que je ramène un papier et que je rapporte un papier et que j'ai l'air au courant. Donc je pense que cette curiosité, plus le travail de journaliste, fait que je nourris terriblement les personnages et j'ai envie de partager parce que je trouve formidable d'apprendre. Il y a aussi l'idée que j'aime bien apprendre. Je pense qu'en plus de cette curiosité psychologique sur les personnages, je me nourris aussi énormément de ce que j'entends à la radio, de ce que je regarde à la télévision, des reportages. Je me nourris aussi de la vie quotidienne. Et c'est vrai que j'ai toujours un petit cahier sur moi avec un crayon et quand je pique un bout de dialogue dans le métro, au café, je le marque tout de suite parce que pour être sûre de ne pas l'oublier. Et c'est vrai que je sais que quand je commence à écrire, j'ai l'impression que j'ouvre très très grand les bras comme ça et que je prends absolument tout ce qui passe et qu'après je fais le tri, mais j'attrape absolument tout de la vie. La saga, elle est pratiquement achetée dans tous les pays, donc ça c'est aussi assez intéressant parce que je vais en Espagne, en Italie, en Portugal, je vais au Liban. C'est drôle de voir comment le personnage de Joséphine, qui est un personnage quand même très franco-français, qui habite à Courbevoie, qui est chercheuse au CNRS, touche absolument tous les pays, toutes les générations, et les hommes et les femmes. Et donc ça, c'est aussi une partie de l'activité d'écrivain qui arrive à point nommé quand on vient de finir un livre, parce que ça permet justement de passer sur d'autres mondes, de rencontrer d'autres gens et aussi de se nourrir, parce que je pense que l'écriture, c'est ça, c'est qu'il faut se nourrir sans arrêt. Après un livre, alors surtout après un livre comme Les Écureuils, parce que j'ai l'impression que j'ai plus rien à dire et que mon réservoir est à idée complètement à sec. Et donc je pense que j'ai passé quelques mois à le remplir, en lisant des livres, en allant voir des films, en parlant avec des gens dans la rue, en voyageant, et qu'un jour je vais avoir une idée, une nouvelle idée. Tome 4, je ne sais pas. Pour le moment, je dirais non, parce que c'est tellement de travail, je suis fatiguée. Mais il faut que j'aille dire non, et je ne sais pas ce que la vie va décider, parce que c'est toujours la vie, en fait, qui me souffle mes idées de livre. Moi, je ne décide pas grand-chose, j'écoute.